Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Action. Ça fait longtemps que j'avais été chez Action. Là, ils commencent à mettre la décoration de Noël. Nous avons du Halloween aussi. Et donc, j'ai trouvé des petites pépites, du petit craquage du mois. Donc, je vous montre tout ça maintenant. Alors, donc, pour commencer, je me suis pris ce rouleau-là. Un vêtement avec le manche en bambou, je trouvais beaucoup plus joli que ceux qui vendent avec le manche en plastique. Donc là, quand ça sera terminé, je pourrai rajouter des recharges. En plus, bon, là, il y en a une d'avance, mais sinon, beaucoup plus joli avec ce petit manche en bambou. Ça, je l'ai payé 2,85 €. Rien de transcendant, j'ai pris un paquet de Kleenex, on va arriver à l'arrivée de l'automne, hiver, donc je me suis dit, je vais faire le petit pain de Kleenex, voilà, ça j'ai payé 74 centimes. J'ai acheté ces petites boîtes-là, alors si vous me suivez sur YouTube, sur ma chaîne, vous savez que j'ai fait un haul déco solde. J'avais acheté une boîte comme ça en bois chez Maison du Monde et je l'avais payé beaucoup plus cher que celle-ci. Ça, je l'ai payé 1,88 €, donc ça va venir compléter ma collection pour mettre tout ce qui est farine, riz, lentilles et tout ça. Donc du coup, j'en ai pris 2. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah tant pis. Donc elles étaient à 1,88 € hein, chacune, donc prix très intéressant. Ensuite, je me suis pris un plateau comme ceci de bougies. Donc ça, c'est un nouveau packaging. Je n'avais pas vu d'habitude, ils vendent leurs bougies chauffe-plat en sachet. Et là, bon, apparemment, elles sont allumées, elles durent 4 heures. Et là, c'est bon pour l'environnement, donc ça doit être éco-responsable, un truc dans le genre. Donc voilà, 1,99 €. Il y en a 50 à l'intérieur, donc bon, voilà. Je me suis pris des éponges magiques depuis le temps que j'en entends parler. J'ai Agathe, on lui a acheté pour son anniversaire des Converse avec la collaboration Bon bref, passons. Le tour de sa Converse a jauni. Et donc j'ai vu ça sur Instagram. J'en ai beaucoup parlé de gens qui disent que... Bah, apparemment c'est efficace et là apparemment on peut nettoyer les baskets, donc je vais essayer avec cette éponge magique, voir un peu ce que ça donne. Je vous donnerai mon avis sur Instagram comme d'habitude en story. Voilà, je vais essayer, on sait jamais. Je me suis trouvé ce masque là de chez Garnier. Je ne sais pas si vous voulez bien voir parce qu'il y a du soleil dans la cuisine. Donc ça, c'est un masque que j'ai payé 99 centimes. Donc on l'appelait 15 minutes. Bon, c'est pas marqué en français. Alors c'est marqué derrière. Donc c'est un masque super hydratant, revitalisant pour les peaux déshydratées. Utilisation super facile, convient à toutes les formes du visage. Donc 99 centimes, autant vous dire que ça coûte pas cher. Ils avaient sorti aussi une fois une gamme aussi de chez Garnier. Je sais pas si vous en souvenez. Donc là, ben, j'en ai pris. Hein. J'aurais su, j'aurais dû en prendre plusieurs. Mais bon, je n'ai pas réfléchi. Voilà, 99 centimes ce petit masque. J'ai repris des gros cotons comme ceci. Donc ceux-là, ils sont à 97 centimes. Ils sont très bien, leur coton. Ils ne peluchent pas. Alors, ça, en sachant que vous étiez nombreuses à me dire une fois, tu n'utilises pas des cotons qu'on réutilise. Alors, si j'en ai, c'est même une abonnée qui les avait envoyés au moment du confinement. Donc, je me démaquille avec des lingettes réutilisables. Ça, les cotons, c'est pour Agathe parce qu'elle utilise beaucoup de coton. Elle ne s'y fait pas aux lingettes qu'on peut réutiliser. Mais moi, je me suis mis et franchement, au jour d'aujourd'hui, je pourrais même plus m'en passer. Franchement, je l'ai passé à la machine et tout, ça ne bouge pas. Bon, après, je me donne un laps de temps. Après, je les changerai, j'en racheterai d'autres. Mais très bien les lingettes réutilisables. Mais ça, coton, il en fallait. Je me suis repris du scotch comme ceci pour envoyer mes petits colis Vinted. Donc ça coûte pas cher, hein. Ça coûte 79 centimes. Je me suis repris le liquide vaisselle de cette gamme-là. Je l'aime beaucoup. La dernière fois, j'avais pris au thym et romarin, il me semble. Ça sentait super bon. Là, je l'ai pris orange et jasmin. Je l'ai payé 99 centimes et ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà utilisé. Est-ce que vous en pensez ?
Du coup, dans la même gamme ménager, je me suis pris ce produit-là. Il y en avait pas mal. Il y avait pour la cuisine, il y avait pour les vitres, il y avait pour la salle de bain et il y avait pour nettoyage universel. C'est ce que j'ai pris, nettoyage universel. Donc apparemment, ça a l'air d'être un produit assez clean. Il est écolabel. Donc voilà, je vais l'essayer. Et puis c'est pareil, je vous donnerai mon ressenti sur Instagram. Voilà. Il faut tester. De toute façon, si on ne teste pas, on ne saura jamais. Hein, on ne saura pas. Alors, j'ai préparé l'automne, donc je me suis trouvé des petits chaussons comme ceci. D'habitude, je les achète à Etam, mais ça coûte quand même assez cher. Donc, du coup, j'ai pris ceci. Regardez, ils sont beaux. Ils sont beige comme ceci, avec de la moumoute, des petits pompons. À l'intérieur, on a aussi du molleton. Je l'ai trouvé mignonne, voilà, avec une petite semelle pour rester à l'appart, à faire une petite série le week-end. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, s'il faut changer entre temps, je changerai. Mais bon, voilà, je trouvais que je les ai payés 4,99€. Il en existait de toutes les couleurs. Il y avait du gris, il y avait du rose, il y avait du léopard. Moi, j'ai pris beige parce que, bon, ben voilà, j'aimais bien. Puis c'est mes couleurs. Donc voilà, 4,99€, ces petits chaussons. Ensuite, je me suis pris, regardez comment c'est mignonné. J'en ai pris 3. Des petites gamelles comme ça en céramique pour les petits chats. Donc j'en ai pris une pour Chanel, une pour Charlie et j'en ai pris une pour mettre leur eau. Donc je vais retirer leur gamelle en plastique et je vais le nettoyer et je vais mettre celle-ci. J'ai trouvé trop mignonne. J'ai payé ça 1,44€. C'est trop mignon. Donc voilà tout le monde pour mon petit haul de chez Action. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous préparez déjà la déco de Noël ou la déco d'Halloween? Mettez-moi tout ça en commentaire, ce que vous avez trouvé et ce qu'il y a de beau dans votre Action cette semaine-ci. Voilà, comme ça je serai contente aussi de le savoir pour pouvoir retourner dans mon Action. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouve tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à aller me rejoindre. Je poste tous les jours des Insta Stories en ce qui concerne ma vie en général, mes codes promos, mes achats, enfin bon bref, mon humeur du jour, si ça vous dit, le lien est en barre d'infos et je vous ai mis aussi mon Vinted puisque vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, mais je l'ai déjà mis, je le mets tout en barre d'infos, tout ce qui est information, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous, ciao ciao, bye. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised.